Anything you want. Salut tout le monde, aujourd'hui début du vlog dans le désert en Espagne, même si là on est un peu dans les montagnes. On est à Artus, accompagné. Bah si, il n'y a pas de neige. La neige arrive, la neige est juste là-bas, on voit pas mais elle est... On devrait si on la voit. La traverser peut-être par là. On va la traverser. À ce moment-là, l'objectif est d'arriver à temps pour le coucher de soleil. Mais voilà, on a eu quelques imprévus, comme vous voyez, qui nous ont permis de ralentir, d'apprécier le moment. Arrivé à côté de Mequinenza, on a une seule chose à faire, on descend de la voiture et on court sur la plaine à admirer ce coucher de soleil. Ok, bon là les gars, on vient de se réveiller et on a bien regardé le petit lever de soleil, c'était sympa, on a bien attendu une heure et quelques. Et donc là, on part directement vers le désert. Just a boy, fair and stranger, traveling through a world of woe. Ain't no sickness, toil, nor danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my father. Said he'd meet me when I come. I'm only going over Jordan. I'm only going. Thank you.
comme on se retrouve dans un lieu charismatique. C'est là où était tourné Cars. Non, on a visité le désert comme il fallait. On a fait toutes les routes possibles. Bref, j'ai un concurrent de drone. Là, il est passé en drone ici. Du coup, j'ai lancé mon drone en kamikaze. Et je l'ai eu. Là, c'est quoi le trajet que l'on va faire, Alex? Tu vas nous dire. Alors, la suite du trajet, on va quitter le désert, si on réussit. Et on va directement se diriger vers d'autres montagnes, situées complètement au nord de l'Espagne. C'est bien ça? Exactement. Et normalement, on dort entre-temps, parce qu'il n'y a pas 36 heures dans une journée. Et on conduit depuis 9 heures du matin. Et voilà, il faut le savoir. Combien de temps pour y aller dans les montagnes, pour de vrai? Encore 24 heures de route. Non, pour de vrai. Non, je sais pas. Je crois qu'il y a bien 4-5 heures. Hein. Donc, on ne sera pas là-bas à temps. 6 heures et 450 km. Non. Si. C'est pas celle-ci? Ah ouais, d'accord. On continue. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que on a failli mourir en voiture, toujours avec ma conduite beaucoup trop dangereuse. Oui. Non, en vrai, c'était pas à cause de ma conduite. Si. Ben, la route était défoncée et on était à 100, 110. Ce qui fait que c'était très dangereux. La voiture s'est envolée comme ça. La voiture a décollé en fait. C'est dur à croire, mais on vous l'assure, c'est arrivé. Et ça fait peur. Il n'y a pas la dashcam cette fois-ci. Mais... Alors... Là, on a mis la dashcam pour tout le désert parce qu'on avait peur de conneries comme ça. Et d'ailleurs, oui, j'ai touché bien mon pare-choc. Ça fait mal. Avant et arrière. Et arrière. Putain. Dehors, je vais faire un drift. Ramène, drift. Si tu veux. Bon, vas-y, on va repartir, je pense, en drift. On va faire les kékés. Et à tout à l'heure. Ok, bon là les gars, on vient d'arriver à destination, il est 22h à peu près, on est dans Caïn des Valdeones et je sais pas si vous entendez, là déjà le setup c'est je suis devant mes phares mais bon, et derrière il y a un courant de ouf, c'est impressionnant, ça fait un bordel monstre, bon, j'espère qu'on va pas trop galérer à dormir et voilà, et du coup demain on va visiter cette petite ville, normalement faire une randonnée de plusieurs heures, ça devrait être pas mal, j'espère que ça va être ici. Voilà, moi je vous dis bonne nuit et à demain. To the floor, it's gone crazy. Time, don't do it again. Now I'm stressed and strained, anger and pain in the subway train. Now it's 2:30. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. Time made a fool out of me. Now it's 4:30. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. It's a tiny tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. This girl won't wait for the out of time man. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. It's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Now it's 2:30. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. Time made a fool out of me. Mais c'est quoi ça? Il y a le panneau juste derrière, donc on est sur la bonne route. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben on va y aller, hein. Mais il va nous charger, frère. Normalement, il part là. Il va nous défoncer.
Il va nous défoncer. Ok, on vient d'atteindre la Cueva Santibáñez. Plutôt jolie, plutôt profonde, terrifiante. Quoi d'autre comme adjectif ? Il y a un ours dedans. Alors là, on vient de se la buter sur une randonnée de 500 mètres de dénivelé. Combien de kilomètres ? 4. On l'a fait en 25 minutes. Ouais, 30. Ouais. Presque. On est chaud, on est chaud. Et là, on a fait que glisser. On va redescendre tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine, c'était GetGet.